Clairement, je suis rentré pour le côté investissement argent. Après, je suis resté pour la tech et maintenant je promeux à travers l'art pour... Parce qu'en fait, c'est de la poésie, en fait. C'est vraiment trop beau. Ça, c'est de la projection de peinture qui est totalement aléatoire. C'est une série de 21 tableaux. Peu importe quel shitcoin, que ce soit bien, qui est une, j'en sais rien, la aileron d'armée, n'importe quoi. En fait, il n'y a aucun narratif aussi pur et aussi beau que Bitcoin. Ce que je fais le plus, c'est euh, des tableaux avec des, euh, des vrais dollars, euh, parce qu'il y a un message derrière. Euh, donc ce n'est pas des reproductions, et par-dessus, je mets de la feuille d'or. Les deux petits ça points, et euh, ce qui serait cool voilà. à montrer, c'est les petits reflets... Euh, ouais, c'est craquelé, c'est un peu une ambiance crocodile. Je vois des gens euh, qui ont acheté mes tableaux, que j'ai rencontrés en vrai, qui eux-mêmes font des vidéos, genre oh là là, je les vois sur Twitter, mais c'est le... vraiment un bonheur de, de voir que ce que tu fais, ça plaît aux gens l'ont mmh. chez eux, qu'ils l'affichent en décoration. Bitcoin, right? Right? On se retrouve sur How to Bitcoin. Aujourd'hui, on est à trois déjà. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et on est, ac on est accompagné de NHP ou NHP ou Pff, peu importe, on ne sait pas, pas trop comment bien. le dire, ça qui est ça, 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 artiste ça, 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 et euh, qui présente ses œuvres aujourd'hui au Paradigme. C'est euh, cet événement-là. Euh, qui se passe à la chaux de fond et euh, qui lie euh, Bitcoin avec l'horlogerie suisse. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de, de ton parcours et de, euh, de ta vie. Euh, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une discussion un peu détente. Ouais. Euh, sur Voilà, d'où le canapé. Euh, voilà, le canapé. <laughs> Chill. Et voilà, euh, ouais, dis-nous dis en déjà plus sur qui t'es, euh, comment t'es arrivé dans Bitcoin et euh, comment tu t'es mis à écrire sur des billets et... okay. Est-ce que c'est -ce est légal même d'écrire sur des billets comme ce que tu fais euh, Tu veux attaquer direct par une question comme ça euh, Oui, c'est légal en fait tant que tu ne détruis pas euh, la propriété euh, de l'État en fait. Euh, et c'est pour ça au début j'ai vraiment beaucoup hésité à faire euh, ce que je faisais parce que bah, c'est un petit peu borderline hein, quand même. Euh, mais en fait comme c'est une, une, une fine couche d'or très, très fine et que et je peux la retirer. Des, des un... clignons, les... Oui, c'est vrai. Euh, maintenant, le on va dire ce que je fais le plus. C'est euh, des tableaux avec des, euh, des vrais dollars euh, parce qu'il y a un message derrière. Euh, donc c'est pas des reproductions. Et par dessus, je mets de la feuille d'or euh, et en fait, comme c'est apposé par dessus et que limite même, en fait, c'est tellement fin et que le billet a des reflets. Euh, on peut encore voir les, euh, les numéros derrière. Donc là dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si on vient et qu'on le découpe en deux, Volontairement, ça c'est pas ça pas cool, ils aiment pas trop. Mais bon, ils en impriment tellement que ça va, ça devrait le faire. Donc, euh, ce qui m'a rassuré, je, je me dis. Ouais, voilà, c'est un perdu, 10 d'imprimer. Ça pourrait être une bonne, une bonne punchline ça. Et il euh, yeah, y a cette fameuse scène de, de Gainsbourg qui prend un billet de 500 francs, je crois, à l'époque, et qui le brûle. Et euh, je voulais pas partir dans des lires comme ça, mais en fait, plus ça va, ouais, non, euh, plus je comprends Bitcoin, moins je comprends la monnaie, et plus je comprends que c'est du papier. Donc. Euh, ils vont me dire quoi Vous avez brûlé le papier J'ai dit, ben, t'as l'imprimante là-bas, ça va. Mais comment j'en suis arrivé là Ça a commencé il y a un, un moment, on en parlait tout à l'heure, ouais, ça a commencé il y a, il y a 9 ans à peu près. Et au, au tout début, j'étais très curieux de base. J'aime bien toucher un petit peu à tout, et je pense que c'est aussi ce qui m'a mené à l'art de manière générale. Et euh, j'ai entendu parler du Dark Web, voilà, le fameux. Donc euh, j'y suis allé une ou deux fois, c'était cool. Et euh, une fois que tu connais quelque chose, tu ne peux pas le déconnaître. Voilà, mmh. C'est comme Bitcoin, ça existe. Ça, on ne peut plus le retirer. Ça, il faut faire avec. Et au bout d'un moment, j'étais trop tenté. Donc euh, bah, je suis allé sur Silk Road et j'ai fait euh, mes petits achats sur eBay. Voilà, c'était un petit peu pareil. Et euh, c'est en fait ce qui m'a mis la, la main à la patte heureusement, euh, j'avais eu quand même euh, l'intelligence de comprendre que ce n'était pas anonyme, mais c'était pseudonyme, et euh, que tout ce qu'on faisait, qu faisait sur la blockchain, c'était ad vitam aeternam. Donc ça, ouf, j'avais bien compris. Euh, toute la galère était de euh, trouver des bitcoins euh, en laissant le moins de traces possible. Donc j'étais passé par Local Bitcoin, qui n'existe plus, et qui a été euh, remplacé par Pitch maintenant, qui fait ça euh, mieux, hein, honnêtement. Euh, et c'était ma première expérience, et euh, après j'avais arrêté, voilà. Et euh, deux ans après, euh, je pars en Islande avec un pote, euh, et euh, il me dit « Ah, oh, Bitcoin, tu connais ?» Je fais euh, « Ouais, je connais, mais sans rentrer dans le truc. » Ah, il t'a dit « Ah, t'as vu 17 000 balles les Combien ?» <laughs> Vraiment le même au téléphone, « Combien ?» Et euh, j'étais euh, en fait, j'étais juste, juste en état de choc, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que, qu que j'ai loupé alors que j'ai utilisé du Bitcoin ?» Euh, à Parce que toi, quand tu l'avais vu à l'époque, il est valait il combien l'époque, 1200 1200 balles, euh, et j'avais juste acheté bah, assez de quoi faire euh, ce que j'avais besoin d'acheter, quoi. Et 1200 balles, c'était déjà après qu'il ait énormément augmenté à l'instant, et oui. ça ne pourra jamais et monter au-dessus. Bitcoin, entre guillemets, euh, même si euh, je regrette, euh, chaque histoire n'est pas parfaite, mais en fait, ce que j'aime bien dans mon histoire, c'est que j'ai commencé, et c'était juste un moyen de paiement, en fait. Euh, j'ai besoin de ça, ils veulent ça, je le prends. Fin du, fin du truc. Mais par contre, là où je m'en veux, c'est que je n'ai pas réussi à voir la valeur dès le début de Bitcoin. Euh, par contre, quand on m'a dit Tu euh, 17... T'as vu une, seule, une face de la valeur, une facette C'est juste vu, justement... J'ai vu un moyen. Ouais. Et en mais c'est la proposition Bitcoin, de, Bitcoin, juste... de valeur aussi, ouais, en fait. Oui, ouais. c'est vrai, au, au final. Mais je voyais pas la, la valeur hmm. monétaire, honnêtement. Et euh, clairement, je suis rentré euh, pour le côté investissement euh, argent. Après, je suis resté pour la tech. Et maintenant, je promeux euh, à travers l'art. Pour, euh, parce qu'en fait c'est de la poésie en fait c'est vraiment trop beau plus tu creuses plus tu comprends, plus tu comprends que le reste c'est de moins en moins beau mais bref et donc depuis ce jour là euh, bah, euh, je te dis bitcoin mais euh, ça n'a rien à voir avec maintenant où euh, tu peux acheter n'importe quoi sur ton téléphone en deux secondes avant c'était la croix à la bannière il y avait très peu de sujets euh, mais par contre aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus compliqué d'acheter de la drogue avec il ouais, y a Monero <laughs> honnêtement euh, euh, ah, il mais... ouais, ouais, ouais. y avait déjà Monero à l'époque euh, J'avais rien fait avec mon héros. Euh, clairement, j'aurais dû faire avec mon héros. Maintenant que je comprends mieux, mais euh, et j'ai encore des mon héros juste pour ce, ce côté-là. En fait, euh, euh, Bitcoin euh, résout beaucoup de trucs, mais pas tout. Euh, Peut-être un layer 2 qui pourra rajouter euh, de la privacy, Moi, je suis très ah, Lightning. Déjà, en rajoute quand même pas mal. Hein. Ouais, ouais, ouais C'est c'est sûr. Mais euh, quand c'est natif, quand c'est de base, euh, from scratch sur la layer 1, euh, c'est c'est quand même, je pense, mieux. Euh, et donc, euh, j'ai perdu le fil rouge de ma propre histoire. Pardon. <laughs> et euh, je disais, euh, qu'est-ce qui m'a amené euh, à Bitcoin Ouais, c'est euh, en fait, euh, à côté de ça, je suis très curieux et j'aime bien faire plein de choses avec, euh, avec euh, ce que je trouve. Et euh, au bout d'un moment, euh, je me retrouve où j'avais l'habitude de bricoler dans un garage, et puis après, plus de garage, puis après, j'avais fait des sculptures, puis après, j'avais dû arrêter. Et je me retrouve à un croisement où on est en bear market. Euh, j'ai de la feuille d'or en stock euh, parce que je faisais un masque d'Iron Man et je voulais mettre de la feuille d'or dessus. Moi j'ai pareil chez moi. Euh... Ouais, voilà, je voulais faire un masque aussi d'Iron Man. Voilà, bah, je, fuit, je garde, je garde de toujours un peu de feuille d'or voilà, chez Qui n'aime pas Iron Man euh, voilà. euh, Et donc euh, je me dis, ça serait cool de prendre euh, des billets, de faire comme une grosse planche. et de... J'avais pris le, vraiment le pattern de la pièce, le, de la fameuse pièce Bitcoin. Et euh, très pour très, je l'ai remis, je l'ai reposé et j'ai mis de la feuille d'or. Je collé ça, c'était clairement pas au point à l'époque. Et euh, bah, je l'avais montré tout simplement à, à la communauté, en fait. Euh, et euh, tout le monde avait adoré. Donc, il y a, y a quelqu'un qui m'a dit, bah, let's go, est-ce que tu le vends euh, Moi, ce que j'aime bien faire de manière générale, c'est réinvestir. Quand je fais quelque chose, en fait, c'est fou, mais en fait, je le fais juste pour m'en débarrasser, pour me dire, j'ai l'idée, ok, ça c'est fait, je peux passer à autre chose. Et tant que je ne l'ai pas fait, ça reste dans ma tête. Donc, en fait, quand il est fait, je peux dire, bah, c'est bon, en fait, next project. Et donc, en fait, j'ai vendu ce tableau-là. J'ai creusé, creusé <laughs> pour trouver euh, une idée qui pourrait euh, plaire à plein de monde. Et en fait, j'ai fait la même chose, mais en beaucoup plus petit. Et j'ai pris un billet de 1 dollar, qui est quand même sacrément symbolique. Et j'ai fait euh, mon tout, tout mini euh, logo Bitcoin. Et puis après, euh, ça s'est très bien, très bien vendu. Ça a plu à, à... plus. Il <laughs> faut que je revoie mes conjugaisons. Ça a plu à beaucoup de, de personnes. Et euh, partant de là, bah, sur la même mécanique, j'ai réinvesti. Je suis reparti dans des tableaux. Euh, je préfère de loin faire des tableaux. En fait, la prestance est, euh, est totalement différente entre une petite œuvre et une grande œuvre. C'est pour ça que j'essaye de tendre et de faire de, de, des choses de plus en plus grandes parce que ça, ça habille vraiment une pièce, je trouve. Il euh, y, a, y a une différence entre « c'est là, on le voit » et « c'est là, c'est limite lui qui te voit ». Tu vois, c'est « excuse-moi, tu déranges l'œuvre <laughs> ». Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Et... Euh, et maintenant, ça fait, euh, ça fait, ça fait 4-5 ans que, que je fais ça. Est-ce que tu est voilà. en envie aujourd'hui Non, je n'en vis pas, j'aimerais bien. Euh, je pense qu'à l'instant T en Suisse, c'est une douce illusion. Il <laughs> faudrait vraiment que je sois stonk fort fort. <laughs> Pour l'instant, ce n'est pas possible. Euh, puis en fait, ça c'est juste la partie euh, NAJP. Après, il y a la partie euh, moi, euh, où je fais bah, mes propres invests, hein, parce que clairement, je suis rentré pour l'argent. Hein. Là, il y a beaucoup, il n'y a pas de, je suis même rentré par la petite porte, pas très cool. <laughs> je suis resté pour l'argent. Et euh, ouais, j'ai fait des, euh, j'ai eu la, la chance de tomber direct en Bear Market, euh, parce qu'en fait, quand j'en ai entendu parler, euh, c'était déjà la hype. Et euh, le temps que si, le temps que là, je te dis, en fait, euh, j'ai posé euh, toutes mes petites billes. Comme un, un petit Vinci. Oh, c'est rigolo ça, tac, tac, tac. En plus, c'était encore là. La, la... Pas l'époque des ICO, mais on n'était encore pas bien loin, quoi. Sur, sur une simple promesse, tu mettais plein de tokens, donc j'avais mis plein de trucs. Et donc, euh, mes investissements sont bien passés, quand même. Je suis content de ce premier bull run. Même si j'ai sorti beaucoup moins que ce que j'aurais pensé, mais euh, je me suis pris une, une petite claque. Mais plutôt content, j'avais suffisamment pas fait n'importe quoi pour. Euh, quand, quand tu dis sortir, ça veut dire quoi? C'est exit cash dans, out. Cash ouais, ouais, out cash dans out. des fiats. Alors, ouais, alors, pas tu, fiat. tu passes ça, même je, pas en bitcoin. Ça, parce que... je l'ai jamais fait. Ça okay. sera fait euh, un jour, peut-être prochainement. Euh, C'était tout en stablecoin. <laughs> alors, j'ai laissé des stablecoins euh, sur FTX. Très mauvaise idée. Euh, J'avais laissé, euh... en parce fait, que, actuellement, tu t es, t es un shitcoiner en réhab. Tu es ouais, en train de. C'est ça, en fait. Euh, <laughs> de comme en fait, j'ai grandi par la shitconnerie et j'ai. Il euh, bah, faut le dire, euh, euh, ce que j'ai fait au niveau patrimoine, euh, je l'ai fait avec du shitcoin. Je sais que ça marche et je sais que j'ai ma petite technique. Après, là où avant c'était shitcoin, maintenant c'est ça shitcoin. C'est euh, papa Bitcoin, maman Ethereum et euh, après euh, le reste, c'est. Euh, on, de... on va couper ce moment. <laughs> on va couper ce montage. Non, arrêtez, stop, stop, stop. <laughs> ah non, allez, allez, ça y est, on a perdu la moitié des maxis au niveau audience. Euh, après, ça convient pas à tout le monde, moi ça me va bien. Euh... Et puis, euh... ouais, chacun sa technique. Mmh. Voilà, il euh, y en a c'est full bitcoin, il y en a c'est full shitcoin. J'ai vu des maxis, euh, j'ai parlé à euh, quelqu'un que je pensais maxi qui a viré de. qui est parti à l'envers. Je de me... la merde. Pourtant, je. Me... je, me... je... J'ai jamais entendu une histoire là-dessus. Je, je, je suis vachement curieux voilà, de, de savoir quel, pour, pour quelles raisons. Je ne vais en fait, pas drop de name. Non, non. <laughs> mais euh, il se reconnaîtra peut-être euh, si voit la, la vidéo. Mais euh, il ouais, t'a avancé j des, des raisons, des, des choses. Je suis vraiment curieux. Non, non, non. C'est on va dire plus croisé que, que parler. Donc euh, j'ai okay. pas eu de, de raison. Mais euh, pourquoi pas en vrai euh, Ça reste de l'investissement. Euh, après, moi, la partie NAJP, c'est maintenant que du Bitcoin parce qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'investissement. C'est pas euh, ça marche, tu gagnes. Enfin, il euh, n'y a pas d'amour dans l'investissement, à part la partie euh, Bitcoin. Mais tout le reste, c'est euh, des, de, des tickets de jetons, quoi. Ça n'a pas plus de valeur. Après, il y a quand même des tickets de jetons qui disent Ok, l'idée est quand même bonne, il hein, faut pas déconner. Euh, mais euh, pas plus, quoi. Ça Là, ça sera vendu euh, sans regret, quoi. Et du coup, ouais, tu as choisi de focus euh, ton activité artistique ouais. sur Bitcoin euh, du coup, pourquoi Bitcoin et, euh, et du coup, ouais, est-ce que tu as déjà tenté justement de faire d'autres œuvres euh, à l'effigie euh, de trucs comme euh, Ethereum Comme... <laughs> <laughs> ouais, ouais, j'ai complètement euh, essayé parce que bah, en fait, j'ai grandi en, dans la chic connerie et euh, j'avais même fait des, des, des billets avec... Euh, euh, Uniswap, moi c'était révolutionnaire. Ah ouais, bah ouais bah, personne n'est parfait. Je tente à le devenir. Je deviens sage avec les années. Avec la licorne, c'est ça euh, ouais, ouais, Et j'avais fait un billet avec des licornes et des paillettes. Je suis en mode, oh, le délire. Et euh, en fait, peu importe quel shitcoin, que ce soit bien, qu'il y ait une, euh, j'en sais rien, la aileron d'Army, n'importe quoi, en fait, il n'y a aucun narratif aussi pur et aussi beau que Bitcoin. Donc, euh, bah, en fait, euh, oui mais non. Autant se concentrer, faire les choses bien. Et euh, maintenant, je fais que Bitcoin, et c'est très bien comme ça. C'est même mieux, honnêtement. Bon, au final, c'est presque le marché qui a choisi que tu fasses que ça, en fait. Et euh, oui, oui, oui. C est, c est que c tu c vends, vrai. tu ouais. vends mieux, tu vends plus en faisant un tableau Bitcoin qu'un tableau C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, autant euh, je, fais le, je fais le, truc vraiment pour le, le kiff. Il y, a, il y a une série que j'avais fait les pop-up euh, splush où j'avais fait. Euh, J'adore le pop art. Euh, D'ailleurs, j'ai un tableau aussi Andy Warhol, euh, copie Andy Warhol, bien sûr. Et euh, j'avais fait plein de couleurs parce que j'adore, voilà, c'est lumineux, on n'est pas obligé de faire que du orange, même si en vert ça faisait Bitcoin Cash, mais là il fallait ouais, quand je même respecter l'inclinaison. Moi, moi j'adore, mais en fait la réalité c'est que bah, derrière c'est encore chez moi, et ça ne sert à rien que je le fasse que pour moi. Voilà. Donc le but c'est que ce soit spreadé. Euh, Bitcoin c'est pas que de l'investissement, c'est pas que une théorie, c'est aussi bah, de, de l'art. Et moi, c'est ma manière de contribuer. Donc, si je fais des trucs, mais que c'est que pour moi, ah, ça perd un petit peu de son charme. Donc, moi, le but, euh, c'est de se prêter un maximum. C'est pour ça que je fais des events. J'essaie de garder des prix euh, que, euh, qui sont encore acceptables, euh, parce que ben, j'ai envie que tout le monde ait son petit truc. Euh, voilà, c'est un petit peu en fait comme le, le, le drapeau euh, Che Guevara, euh, révolution. Il faut que ça soit un, un symbole. Mais si ce symbole euh, artistiquement, si tout ce que tu trouves, c'est c'est hors de prix, bah, non en fait. Il faut, il faut du bitcoin pour tout le monde. Est-ce que c'était aussi ça l'objectif de, de ton billet de 1$ avec le, le bitcoin dessus C'est que ce soit accessible, que tout le monde puisse avoir ouais, euh, ouais. Ah oui, son en arme chose de, tout petit, tout de ça, révolution forcément. artistique euh, bitcoin. Ouais. C'était accessible, mais au début, en fait, mon, ma narrative elle a changé au fur et à mesure que, que j'ai évolué. Parce qu'en fait, bah, je, suis, je suis rentré par Silk Road, euh, après j'ai studié bitcoin. Quand tu studies Bitcoin, tu te rends compte que tu es corrélé au marché à risque, donc les stocks, et que tu comprends qu'il y a une interaction entre les deux. Euh, après, bah, ça t'amène sur la macroéconomie, et de la macroéconomie, ça t'amène à la politique. Et puis la politique, ce qui est drôle, c'est qu'après, ça t'amène à l'impression monétaire. Pour moi, il y a une un étape qui devrait pas être au bon, au bon étage. Mais bref. Et en fait, là où au début, je voulais montrer la suprématie des crypto-monnaies en, en général, au travers du logo Bitcoin, sur les monnaies fiat, en prenant pour le, le, le billet dollar, parce qu'il a une, une symbolique énorme. On est tous drogués à la, à la culture Hollywood. Donc, un billet de 1 dollar, tu fais clac-clac, c'est clac, euh, Hollywood. Donc, je, je suis resté sur ce billet. Et là où avant c'était ça la narrative, maintenant c'est Bitcoin, <laughs> déjà. Voilà, je deviens ça, je l'ai dit. Et en fait, c'est même pas que Bitcoin euh, est supérieur à tout. C'est surtout que les monnaies Fiat, mais c'est un délire. Ils peuvent en imprimer quand ils veulent. Autant qu'ils veulent. Donc en fait, j'utilise euh, le narratif. C'est le papier, le, les dollars, c'est du papier. Ils peuvent en imprimer. Bah, let's go. On l'utilise comme toile de fond dans ses œuvres. Et puis euh, voilà, c'est du papier. Voilà. Et tu t'y retrouves niveau coût, c'est pas trop cher ce papier. Ah, c'est sûr, c'est plus cher que de la peinture. Hein <laughs> Entre la feuille d'or et, le, et les dollars. Euh, mais euh, ça va. C'est que, que des billets d'un dollar. C'est que des billets d'un dollar. Euh, je tente des trucs avec le billet de 100. Mais rien qu'un tableau avec que des billets de 100, euh, en fait, c'est déjà 2400 balles de, juste de matériel. <laughs> Ce que moi, je considère comme du matériel. Pas de, pas des, voilà. Même si ça a la valeur, c'est 2400 balles. Mais euh, ouais, à moins que je trouve un mécène, coucou. <laughs> je, je veux bien faire des tableaux avec un, un, un narratif encore plus fort que le, que le billet d'un dollar, même si euh, l'idée est exactement la même. Mais en fait, le billet de 100 dollars, il a une petite bande bleue euh, qui est euh, très, très gênante euh, pour euh, faire ce que je veux. Donc, euh, pour l'instant, non. C'est le billet de 1. J'ai essayé 5, 10. Mais non, Washington va très bien. Je connais sa tête par cœur, à force, mais... <laughs> Et t'as jamais envisagé, euh, nous, là... J'ai vraiment la flemme de me lever, mais on a des bolivars, tu vois, vénézuéliens. Oui. T'as jamais envisagé de le faire avec des billets de monnaie qui, entre guillemets, pour le coup, sont vraiment du putain de papier J'y réfléchis, je pense que j'y réfléchis, j'y réfléchis, j'y réfléchirai. Euh, pour l'instant, je n'ai pas trouvé euh, d'idée qui me hype spécifiquement. Et en bien fait, bien. Le, si, quand on fait ça, on, on, on utilise quelque chose qui est déjà vide de valeur. Mais quand on prend un billet de 1 dollar, il a toujours de la valeur. Et justement, en faisant ça, déjà, techniquement, je le retire de la supply, donc euh, <laughs> c'est vachement mieux. Et euh, en fait, je le dévalorise en, en lui disant, non, tu n'es pas un billet de 1 dollar, tu, tu es un tu as Un billet qui est juste dans une toile de fond dans une donc euh, oui, mais non. Tu as le billet de euh, dollars de Zimbabwean, ah, c'est un, un dollar, euh, hein. je, je sais, sais pas, le cent trilliard, qui est très beau en plus. Il, est, il a une calligraphie qui est assez intéressante. Ouais, ouais, ouais. Alors, je pense qu'à force d'en imprimer et de rajouter des zéros, je pense que tu as le c'est très le itératif. Process, tu peux commencer à réfléchir. Ouais. Non, 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 pour l'instant, euh, comme j'ai dit, le, la narrative du billet euh, du dollar américain, euh, même si peut-être ils tomberont plus tard, euh, c'est les, les leaders, c'est eux, eux, eux qui font tout. Donc euh, pourquoi, tout comme Bitcoin et euh, s'embêter à faire d'autres crypto-monnaies euh, au niveau artistique, non, tu prends Bitcoin, tu prends le dollar et là tu as le max de la, de la symbolique en fait. Hmm. Et euh, j'ai une idée qui me vient. Tout à l'heure tu parlais euh, que tu faisais de la sculpture. T'as jamais envisagé des sculptures avec des pièces? Non, mais j'ai une idée de sculpture. Euh, je vais lire le projet, c'est pas grave. Euh, je voudrais faire une, une sculpture avec. Euh, Comment on faisait à l'école avec le, le papier mâché où tu colles des feuilles avec euh, de la colle et faire une sculpture avec que des vrais billets, avec un corps de femme, et ce serait pour euh, dénoncer ou annoncer, peu importe. Euh, la prostitution euh, des femmes. Je me dis ça pourrait être un, une belle œuvre, <laughs> euh, jolie à regarder et euh, assez euh, provocatrice. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mm -hmm. Mais ouais, j'avais, j'ai fait euh, des sculptures qui là pour le coup n'ont rien à voir avec euh, la partie euh, euh, Bitcoin, crypto. J'ai aussi fait un, un tableau euh, plus en perso euh, pour de la famille avec un, un tableau avec une voiture euh, que, que j'aime beaucoup. J'essaie de faire d'autres choses. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant c'est NAJP. même si ça se prononce pas, ça me permet de pas m'enfermer. En fait, avant j'avais, je signais ça sous Dollar. J'avais fait un jeu de mots avec Dollar et Dollar. Mais le problème c'est que bah, non, ça m'enferme dans une case alors que j'ai envie d'explorer et, et ça serait dommage de se priver. De tout ok, a donc t'as des as des projets artistiques en dehors de Bitcoin du coup. Oui, ouais, ouais. Après, c'est vrai que je les garde plus pour un, un peu un, du côté perso, on va dire, euh, parce que c'est euh, plus créatif en dehors de ma zone de confort et euh, je préfère me faire connaître uniquement sur la partie NJP euh, Bitcoin. Mmh. Ça me va bien. On peut pas être partout de toute façon. Et puis euh, comme j'ai un day job, je n'ai pas non même si on est 15 dans ma tête et qu'on a plein d'idées, j'ai que deux bras et j'ai que 24 heures donc euh, je, je, je peux comprends. Pas ce, tout faire. Je comprends ce que tu dis. Voilà. <laughs> on est dans la même situation. On sent la fatigue euh, <laughs> sur les trois personnes ici quelle fatigue, quelle fatigue. Hein, tout va bien <laughs> euh, j'espère j'espère qu'on voit rien euh, au début tu as, as mentionné hein, quelque chose qui m'a fait, fait waouh qui m'a fait tilter euh, tu as dit oui euh, j'ai mon pote qui, qui m'a reparlé du prix et, euh, ouais, et l'idée est revenue et il n'y a, a rien de plus genre c'est impossible d'enlever une idée une fois qu'elle est là ouais et, euh, et ça' me vraiment fait penser en fait à toute la proposition de valeur de bitcoin qui est de réussir à à rendre l'information euh, euh, bah, valorisable parce que le problème c'est que dans mon informatique à chaque fois que tu bouges un fichier d'un endroit à l'autre et ben bah, tu copies l'information et c'est l'idée une endroits, idée hein. c'est une information et, euh, et en fait c'est Bitcoin quoi c'est euh, c'est il a résolu <laughs> il a résolu ce problème <laughs> de n'est euh, bah, tu tu c'est pas grave si l'information est dupliquée dans tout le réseau ce qui est important euh, c'est euh, bah, que tu as tes clés, que euh, dans ton bloc tu es, es le seul à pouvoir faire bouger les fonds et tout. Et... Mais alors, du coup, c'était pas une question, mais une remarque. C'est <laughs> ça, c'est plutôt une remarque. Voilà, et, et, écoute, et je je, je ça, suis d'accord avec ta remarque, euh, tout à fait. Ouais, on passe. <laughs> euh, ouais, moi, ce que je voulais qu'on fasse, c'est que tu nous as offert un tableau mm -hmm. qui, est, qui est très sympa, qu va, que je vais apporter dans deux secondes. Euh, qui est différent de ceux dont on parle tout à l'heure, parce que c'est pas ouais. via le. Ouais, comme, bah, en en fait, c'est comme je disais, j'ai pas envie de m'enfermer et de faire ça. que des dollars, même si. Donc euh, la je vais, la vous, je vais est énorme. vous le ramener plutôt que de parler dans le vide, sans tout casser. Pour les que... protéger, mais. Ouais. Je te propose de le porter. Donc voilà, c'est Donc, un tableau que tu nous as gracieusement offert, mm -hmm. qu'on mettra dans, dans le fond de nos vidéos. Ah, j'attends Donc... de le voir. <laughs> Alors voilà, on va essayer de l'installer le mieux possible. Euh. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment tu fais ça euh, Ça, c'est de la projection de peinture euh, qui est totalement aléatoire. C'est une série de 21 euh, tableaux. et euh... Aléatoirement ça, et ça te fait un B. <laughs> <C 'est> des... <laughs> Alors, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. <laughs> euh, c'est euh, plein de couches de différentes nuances de orange, hein, et pas de gris. Et ça me fait... À chaque fois un, un fond, un fond vraiment différent. Attends, bon, bon. Des fois c'est un petit peu plus rouge, des fois c'est un petit peu plus orange. Euh, et donc en fait, avec toute cette toile de, enfin, on va dire toute cette trame aléatoire, par-dessus, je viens mettre une protection et je viens faire la même chose uniquement avec du blanc. Et c'est ce qui euh, dénote euh, le fameux B bitcoin. Ok, et ça, c'est une euh... donc, tu as dit, on en as fait 21 qui sont comme ça, enfin, qui sont. Tous uniques. Il y en aura 21. Ah, il y en aura Mais je, le, le truc, c'est qu'en fait, euh, je fais pas des NFT, je peux pas faire copier-coller. <laughs> Moi, à chaque fois, c'est des heures de travail. <laughs> J'aimerais bien, des fois. Euh, mais non, en fait, c'est du proof of work, que ce que je fais. Donc, euh, ça prend du temps. Il y aura un aura 21, mais généralement, je travaille plus ou moins à flux, à flux tendu, selon les commandes que j'ai sur mon site, d'ailleurs. <laughs> <Oui>, bah justement. <laughs> <faire> comme les autres. <laughs> non, mais justement, hein. c'était le but d'en arriver là. C'est comment est-ce qu'on peut se ouais. procurer tes œuvres Quel est le moyen de. Ouais, alors. Euh, Instant sur promotion, c'est N... Instant promo, vas-y. Uh, najp.ch et uh, on peut payer en bitcoin enfin uh, d'ailleurs merci à Swiss Bitcoin Pay uh, j'ai uh, installé ça en 5 minutes là uh, je peux faire que prêcher par exemple donc uh, sur mon site et uh, attention bouchez-vous les oreilles on peut encore acheter en fiat j'aimerais à terme uh, ne plus laisser ça possible mais uh, le chemin va être encore un peu long et que je sois un petit peu plus connu et reconnu Okay. Et, et une un fois qu'on commande vrai. dessus, il y a un système de livraison et tout ou c'est ah non c'est un scam, <laughs> vous recevez jamais rien, ne n'achetez pas en vrai. Le <laughs> sujet, ah, ce c'est qu'on n'a pas besoin, de, on a pas besoin de te voir en direct, tu, tu peux faire livrer. Non le, non le non. Truc. Après, euh, j'ai quand même, je préfère voir les gens en vrai, je trouve ça beaucoup plus sympa. Mm -hmm. euh, et euh, mais sinon oui, on peut commander directement. Il y a la douane qui commence un petit peu à se réveiller là depuis ah ouais euh, six mois. Ouais, ça c'est euh, c'est un petit peu pénible. Euh, et si tu, tu le ressens enfin euh, du coup c'est qui est pas la facture que ce soit offert. Euh, typiquement j'ai fait un logo pour euh, Bitcoin Marseille avec euh, la bonne mère. Et euh, C'était un don. Euh, donc j'étais dans la catégorie cadeau et il a quand même euh, eu des, euh, des fils de la douane. Et puis alors, pour avoir des douanes, de la, des justifications de la douane, alors là c'est opaque comme, euh, comme la sec. Hein, Parce que du coup, ça, généré, hein. que ça se passe comment tu expédies le... Donc, enfin, le cadeau, enfin, le ouais, que voilà. ce soit vendu ou donné, je okay. l'expédie de manière normale. Comme Et je Turquie suis en Suisse, je dois faire une déclaration de, de douane, voilà, tout ce qui okay, est ouais. plus classique, ce qui est un petit peu plus quand même contraignant que quand j'étais en France. Oui, Mais oui, euh... c'est pour ça que je me demandais pourquoi la douane, c'est vrai que j'avoue. Et en oui, Suisse. même si on est en zone Europe, on est en dehors de l'Europe, donc mmh. déclaration de douane. Et si tu étais allé en France pour l'expédier, ça aurait été OK Déjà moins cher, parce que <laughs> waouh, wow, la, poste, la poste suisse, euh, ouais, c'est rentable hein, comme business à mon avis. Et euh, ouais, ça serait moins cher. Je reviendrai euh, peut-être en France. Euh, en tout cas, euh, je pense que si je peux vivre euh, de NHIP, ce ne sera pas en Suisse. Ou alors, euh, j'ai fait une ascension euh, tout de moon. On te le souhaite, hein Ok, et donc euh, ouais, on peut se procurer tout ça sur ton site, et du coup, on peut aussi te retrouver à des événements comme le Paradigme, ouais. euh, pour te les acheter en direct. Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Tu viens du coup avec tes toiles. Euh, je viens avec mes toiles. Ouais. C'est plus limité que sur le site, je suppose, parce que y a pas fort. Tu viens pas forcément avec tout. Ou as non, j'ai que deux bras, <laughs> voilà. Et je peux pas, euh, je peux pas non plus euh, tout prendre. Okay. Mais, euh, <laughs> et j'ai une, une voiture qui n'est pas très, euh, pas très pratique, voilà. Ok. Et, euh, et donc, euh, en termes d'événements, tu, tu viens où habituellement pour que les gens sachent prochains événements où ils peuvent te retrouver Généralement, euh, ben en Suisse romande, euh, Suisse alémanique, si on me demande ou que vraiment j'ai j'ai envie. Euh, après, ben, c'est tout autour euh, de la Suisse, mais dans la partie euh, ben Annecy euh, par là, le Bionly. J'aimerais partir de plus de plus en plus loin. Typiquement, ouais, il y a un, un événement que j'ai loupé. Euh, euh, même si mes œuvres étaient exposées, j'ai quand même loupé le, loupé le coup. Euh, C'était Bitcoin Atlantis. Oh oui. Ouais, j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Voilà, C'est comme le mec, qui me, mon pote, qui me dit Tu connais Bitcoin J'ai vu les photos, je dis Ah, d'accord. Ah, C'était euh, stylé. Voilà. Donc, ben, du coup, là, entre guillemets, là, comme je réinvestis toujours euh, euh, ce que je fais. Euh, L'argent des tableaux que j'ai vendus euh, du Bitcoin Core numéro 1, d'ailleurs, merci à, à celui qui l'a pris. Ça financera mon voyage de l'année prochaine pour venir et ne avoir aucun problème de livraison avec la douane. Ouais, c'est bête parce qu'en plus, euh, Atlantis. <laughs> <laughs> ah, c'est ah, bête! Oh là là Atlantis, <laughs> c'était super. Et en plus, je crois que c'est la dernière édition, genre, il y en aura ah ouais. plus. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Fuck. Ouais. Mais non. Je suis désolé. Non, 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 non. Bah, au pire, il faudra, faudra créer l'événement C'est pas grave. Tu sais quoi Don't trust Verify, j'irai vérifier par moi. Et euh, moi, j'avais une question qui me venait. Après, je, je sais que justement, moi, j'ai des potes qui sont plus ou moins artistes. Euh, est-ce que tu as déjà envisagé ou est-ce qu'on t'a déjà demandé une œuvre sur mesure euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui te chauffe ou au contraire, tu veux Alors, être tout Ça me chauffe énormément parce qu'en fait, il euh, faut pas oublier que tout ce que je fais, moi, c'est quelque chose qui sort de ma tête en me disant, moi j'aime et je pense que ça peut plaire aux gens. Mais à chaque fois, c'est surprise totale. Euh, et des fois c'est un flop. Hein, euh, voilà. Et euh, au contraire, le fait de faire une, une commande spéciale, c'est euh, quelqu'un qui a déjà une idée de ce qu'il veut. Et moi je viens apporter euh, ma touche, ce que je sais faire. Donc au contraire, je dirais que c'est même mieux parce qu'il y a moins de risques. Euh, et puis c'est un truc personnalisé, c'est du one-to-one. J'aime bien ce côté euh, supply limité, hein, 21 millions, on y revient. Donc euh, oui, c'est possible. Euh, J'en ai pour l'instant pas fait. Si, j'en ai fait une fois sur une petite édition de, de billets avec euh, le logo d'une entreprise. Euh, deux fois d'ailleurs, je perds la mémoire force. Mais euh, oui, mais j'aimerais bien faire un joli tableau, ouais. pourquoi pas. Ok, okay et donc euh, typiquement, quelqu'un là qui voudrait quelque chose, il peut te demander. Oui, tu es ouvert. Euh... Sur Twitter, euh, najp underscore euh, art, mmh. r t euh, Après, je suis un petit peu partout. Normalement, si on me cherche, on me trouve. Ok. Et oui, c'est vrai que tu nous as aussi euh, gracieusement imprimé notre logo que je vais montrer à la caméra. Euh... Ça aussi, vous, vous le verrez dans les vidéos. La... Non. Donc là, bon, ça rend pas comme ça devrait Forcément. rendre. Forcément. Mais euh, voilà. Il y aura les deux petits, petits points et euh, ce qui serait quoi cool voilà. à montrer, c'est les petits reflets euh, craquelés. Ouais, c'est craquelé, c'est un peu une ambiance crocodile. On va voir hein, euh... comment vous arrivez à mettre voilà, ça là. ça va être dégueulasse. <laughs> Mais euh, mais voilà, c'est aussi un truc que tu fais. Bon, ça c'est moins ton cœur de métier. Euh... C'est moins mon cœur de métier. Et d'ailleurs, j'ai eu une surprise, ouais, sur ce truc-là, euh, trop trop confiant. J'ai voulu faire un truc lisse, puis ça rendait pas comme je voulais. Ouais, mais au final, c'est bon. Euh... Et puis nous, on sera très content de le mettre dans nos vidéos parce qu'on a serai... pas nos logos en gros. Eh ben, je serais très content de le voir. Ça, c'est un truc mmh. auquel je m'attendais pas. Mais quand euh, je vois des gens euh, qui ont acheté mes tableaux que j'ai rencontré en vrai, qui eux-mêmes font des vidéos, genre oh là là, je les vois sur Twitter, mais euh, c'est le c'est vraiment un bonheur de, de voir que ce que tu fais, ça plaît aux gens, qu'ils l'ont mmh. chez eux, qu'ils l'affichent en décoration. Ça, c'est vraiment un sentiment. Euh, Il y a un peu de toi chez les gens. Il y a un peu de toi chez tous les gens euh, à qui tu as, as vendu ou offert un tableau. Et ça, c'est. Voilà. C'est ma façon de. de c'est ma façon de façon de contribuer à Bitcoin. Je peux pas, Je suis pas développeur. Je n'ai pas. J'ai pas monté de start-up. Il faut tout. Je fais juste des trucs jolis ou avec un message. Là, le message, c'est l'argent, c'est du papier, vous en faites pas. Bitcoin est là. Et dernière question, c'est vrai qu'on a déjà fait une vidéo avec une artiste, Flo Montoya, mm -hmm, euh, que vous pouvez aller voir, d'ailleurs, qui est disponible sur la chaîne. T'as as déjà envisagé des collabs justement avec d'autres artistes Bitcoin Est-ce que vous vous discutez, d'ailleurs Est-ce que vraiment il y a une communauté Ou pour l'instant, c'est un peu des vases clos parce que je connais pas trop d'artistes francophones dans l'écosystème. C'est quand même... Euh... Je suis quand même euh, tout seul dans mon coin, mais c'est de, de base, en fait. Euh, J'ai tenté des collabs euh, qui sont tombés dans l'oreille d'un sourd. <laughs> c'est pas grave, il faut, faut tenter. Euh, mais de manière générale, tout le monde est quand même vraiment bienveillant. Euh, puis après, pour bah, faut faire une collab, il euh, faut avoir une idée. Euh, des fois, c'est deux styles complètement différents. Et puis euh, là, honnêtement, c'est essentiellement le, le temps qui manque. Avec un day job euh, en Suisse euh, à mmh. 40 heures minimum... On, ouais, co euh, on connaît. Ouais, voilà. Euh, on est fatigué, là. <laughs> on verra comment ça rend la vidéo, mais on est quand même fatigué. <laughs> oh, je pense que ça ira. Eh bien, écoute, sur cette très belle fin, euh, on va conclure. N'oubliez pas d'aller voir ces contenus de visiter le site internet najp.ch. C'est ça. Et euh, me suivre sur Twitter. Sur Twitter aussi, on mettra les liens en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo c'est important pour le référencement. Commentez, posez-vous vos questions abonnez-vous. Et puis on vous fait des bisous.